Wesh, bienvenue pour la suite de l'aventure de Xenoblade Chronicles, toujours en compagnie de Shulk, de Rain et de Charla, et toujours dans la mine principale, exactement là où on s'était quitté la dernière fois. Et donc on est censé suivre le lichen, la mousse, ce que je fais pas du tout là, hein, là je vais tout simplement en direction à l'opposé. Et vous voyez que le niveau... Oh merde. Le niveau des adversaires est de plus en plus relevé, puisque là, un simple Mekon est au rang 21. Donc ça rigole pas. Et il va falloir user de certains stratagèmes maintenant pour progresser dans cette mine souterraine. Et vous pouvez voir sur le radar là qu'elle se complexifie de plus en plus, cette fameuse mine. Ok, donc vous voyez qu'à droite, si on veut choper le gisement d'éther, il faudra se bouger un petit peu. Alors maintenant, le moindre axole colonial est au niveau 20. La caméra a toujours un petit peu toujours pas très à l'aise. Dans une situation comme celle-là. Ah le salaud, il m'a mis par terre. Et voilà, donc il y a de l'exploration, il y a des méandres à explorer dans cette mine. Mais ça vaut le coup puisqu'il y a aussi des gisements. Et je pense que dans le prochain épisode, j'essaierai de mettre tout ça à plat en fait. Mettre tout ça à plat, j'entends... Alors qu'est-ce qu'on a là? Kissling l'obscur. Ah ouais. Lui il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas trop le déranger. Alors si on veut tous ces gisements là, on pourrait. Hein, attirer un ennemi. On va essayer d'attirer la Bernie Materia là. Et on va la faire venir combattre ici. Et puis voilà. Ça nous évitera d'avoir sur le dos. Les Kissling et compagnie, comme on peut dire. Parce qu'une Bernie Materia de niveau 23, ça peut déjà prendre un certain temps à combattre. Et si on veut se laisser un peu de chance contre Kissling, ce serait la moindre des choses d'éliminer la Bernie Materia. Alors, où on en est une fois qu'on a fait tout ça? Il y a une autre Bernie Materia de l'autre côté. Et on a un Kiro ivre à 20, Kissling à 20. Ouais, si on veut que ça se passe bien, je pense que il faut faire le tour... et aller s'occuper de la Bernie Materia qu'il y a de l'autre côté. Enfin bref, il faut pas foncer tête baissée. Allez, on va se faire. On va se faire les petits gars là. C'est quand même un combat un petit peu plus simple. Même si là, il y a vraiment du monde. Hein.
Alors Rain est par terre, on va le relever. Et on va surtout aider notre ami Charla. Alors le combat est en train de tourner correctement. Voilà, le dernier. Bien joué. Enfin, le labyrinthe, le pur labyrinthe, quoi. Alors, où est-ce qu'on avait rencontré ces fameuses Bernie? Alors là, on a un puits d'éther complètement gratos. Voilà. Donc très bien, on a chopé celui-là. Et si on continue là-haut, on arrivera peut-être... Ah, c'est compliqué, hein. Alors on arrive vers le point d'observation. Donc il doit être, qui doit pas être loin d'être la fin du niveau. Mais ceci dit, on va aller. Ah, on était déjà passé là, il me semble. Il me semble. Est-ce qu'on pourrait attirer la Bernie? Ah non. Non, il faut qu'on arrive à... Alors, a priori, on va passer par là. Revenir carrément à l'entrée. Et puis ensuite, passer là. Alors là, il y avait quelque chose, oui. Non, c'est pas ici qu'on va. On va aller plutôt. Alors le Kiro ivre, il a rien à foutre ici. On l'a pas battu, donc ça veut dire qu'on n'est pas passé par ici. Dolton le vindicatif. Il est au niveau 22. Nous, on est au niveau 24. Alors, peut-être qu'il vaut mieux aller affronter. Ouais. Il vaut mieux déjà commencer par se faire la Bernie. On va se faire la Bernie ici, tranquillement. Et puis notre ami le vindicatif, on le laissera peut-être vindicatif, finalement. Hop !
Voilà, c'est bien joué ça. Donc maintenant qu'on y est, voilà, on est à deux doigts de notre notre Kisling l'obscur. On va voir si on peut le si on peut se débarrasser aussi. Ouais, alors là, ce serait encore plus simple. On va se faire le Chiron ivre. Et puis on se fera Kisling ensuite, pratiquement tout seul. Voilà, parfait. Tout va très bien pour nous. Impeccable. On y va méthodiquement, mais et voilà, c'est ce qui permet de réussir ces combats-là. Parce qu'un petit tête-à-tête avec Kisling, ça ne se refuse vraiment pas. Allez, c'est parti. Rain, je te laisse la politesse. Et donc, notre ami Kisling, c'est du lourd. Mais il a déjà chuté. Je vais mettre un bouclier à tout le monde. Bah on n'a pas besoin de ça. Alors vous voyez que l'animation rame un petit peu de temps en temps. Hop là, voilà, on lui met bien ce qu'il faut là. C'est parfait. On est totalement au niveau. Et voilà, un coffre doré. On n'est pas venu pour rien. Un fusil cérébral, un fusil mitrailleur, un cristal de Kiro. Mais oui, c'est ça qu'on voulait. Ici, J de l'éther. Alors, où d'autres? Ah oui, là. Voilà, ok, dac. Et maintenant qu'on a fait ça, bah, il nous reste, voilà, il nous reste le vindicatif. Où est-il? Toi, je t'avais pas encore ouais, alors c'est l'éclaireur, il va chercher ses potes. Voilà, donc allez, excellent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il reste plus beaucoup de bébêtes, hein. Il reste encore un gisement là qu'on n'a pas attrapé. Et on aura nettoyé cette mine principale, j'ai l'impression.
Ah non, il restera juste ce monstre unique là. Mais qui est peut-être un petit peu trop fort pour nous. Ah non. Allez, on y va, Dalton là. Waouh, c'est du lourd hein, quand même. Faut laisser Rain se comporter avec lui. Et puis lancer la triple attaque. Alors moi je suis bien placé là pour lui mettre la lacération dorsale. Rain éventuellement le faire chuter. Et Charla, on est tous un petit peu. Enfin on est un petit peu groggy là, donc elle va nous mettre une onde de soin. Sacré Dalton. Je pensais pas que t'étais si faible. On le domine largement. Même si Rain est en train de prendre cher, mais c'est son job. Voilà. Ok, donc en plus on a fait le plein vraiment de pas mal de... pas mal de choses. Ça, on peut pas... La porte est solidement verrouillée. Il y a peut-être un interrupteur pour l'ouvrir au point d'observation au fond d'excavation numéro 4. Ouais, ouais. Bon. Alors, d'accord, nous voilà repartis. Dans la galère. Je croyais qu'on avait nettoyé la zone, mais non. Alors, il y a un interrupteur au fond d'excavation numéro 4. C'est où ça? Aha. Je dois avouer. Ah non, d'où est-ce qu'on venait là? De là peut-être. Ben allez. Ça devient un petit peu... Avant, on était toujours dans des environnements bien larges. Où il y avait la place, on se repérait. Là, on est un peu perdu. J'ai qu'une seule envie, hein, c'est de sortir le plus vite possible. En plus, j'y suis passé, je suis sûr, au fond d'excavation numéro 4.
plus, je l'ai déjà pompé ce gisement. Ouais, il me semble, hein. Là, on est passé également, oui, parce que les ennemis repopent. Ça doit être ici, le fond d'excavation numéro 4. Ah ouais. On essaye en fait de passer de l'autre côté là-bas. Ok. Donc ça devrait aller. Je devrais pouvoir terminer cet épisode dans les temps. Et vous voyez que l'exploration n'est pas terminée, mais en tout cas, la partie la plus... La plus relou, elle est terminée. Voilà, donc on a ouvert cette porte. C'est dommage parce qu'on était déjà passé ici, mais bon. Et on va repartir. Cette fois pour de bon, j'espère. Non, c'est par là, c'est bien par là. À notre objectif. Donc voilà, la mine principale. Tout de suite, on retrouve plus d'espace. Nous y sommes, voici la mine principale. Où qu'ils sont tous? Il n'y a personne ici. Oh le français, où qu'ils sont tous, dit-il. Wesh. Prenons l'ascenseur. Il va y avoir de la mitraille ou je sais pas quoi. Juju au taron, tenez bon. Ok, toujours des discussions très philosophiques. Bon, on va se quitter là, les amis. C'était bien sympa de parcourir ce souterrain en votre compagnie, même si un petit peu anxiogène quand même. Mais voilà, ça continue. Xenoblade Chronicles, ça continue. À bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. See you guys!